If we are to explore new realms of science, we will need new and sometimes unusual tools. In this Franco-Japanese laboratory, at the Institute of Industrial Science of the University of Tokyo, research sounds almost like science fiction. In micro-emulsions developed on site, scientists have created little worlds enclosed in tiny bubbles. Notre domaine de recherche, c'est le molecular programming, la programmation moléculaire. Et c'est un domaine qui est à la frontière entre les sciences de l'information, la chimie et la biologie. Donc nos outils, ce sont des outils moléculaires. Et en particulier, on utilise beaucoup l'ADN. C'est de l'ADN qui n'est pas issu directement de la biologie, du monde vivant, mais c'est de l'ADN synthétique, synthétisé par une machine, donc un robot synthétiseur d'ADN, et qu'on peut commander sur Internet. Il suffit de donner la séquence de l'ADN désirée et on reçoit cette molécule quelques jours ou une semaine plus tard. The researchers must first create the tiny bubbles that are going to contain the artificial DNA. Their goal here is to produce a simplified and illustrative version of what exists in biology. In this system, the fluids that contain the different strands of DNA combine according to very precise proportions. At the end of this tiny production line, the droplets float to the surface of a layer of oil. The different DNA combinations are then tested within these droplets, aided by enzymes that accelerate the biochemical reactions. Donc dans l'ADN, on a quatre bases, A, T, G et C. C'est ce qui forme la chaîne du polymère de l'ADN. Et on sait que A aime bien se lier avec T et C avec G. Et de ce fait, il est toujours facile, quand on connaît la séquence d'un brin d'ADN, de trouver un complémentaire, donc une molécule qui va se lier à cette séquence. Et donc on a une reconnaissance moléculaire qui devient modulable, contrôlable, programmable. Donc là maintenant je vais mettre à collecter. Alors on récupère les gouttelettes en sortie du dispositif microfluidique. Étant donné qu'elles sont plus légères, donc moins denses que l'huile, elles vont flotter à la surface et on va les récupérer dans un tube en plastique. The droplets are then compressed between two thin layers of glass. The system of DNA and enzymes continues to evolve. Là, il faut que je sois un peu rapide, pardon. The researchers can now follow the progress of each droplet in real time by fluorescence microscopy. To achieve this, they had to develop cutting-edge mathematical tools. Voici le type de données que nous obtenons à la fin de l'expérience. Donc, ce sont des images de microscopie. Chaque image correspond à une couleur de fluorescence. Et comme vous pouvez le voir ici, chaque image contient des milliers et des milliers de gouttes, donnant ainsi la fluorescence de chaque goutte dans chaque canal de fluorescence. After mathematical processing, we get a diagram that sums up the evolution of the DNA in each droplet. Donc ce diagramme va donner les brins d'ADN qui vont survivre après un très long temps en fonction des conditions initiales d'autres brins d'ADN que nous avons mis dans la solution. Ça peut servir de mémoire chimique. Par exemple, un brin d'ADN peut encoder une information, un bit, 0 ou 1, pendant un très long temps. Ça peut servir aussi à mieux comprendre comment la biochimie se déroule à ces échelles-là, comment la cellule elle-même peut stocker des informations chimiques, comment elle peut utiliser des effets chimiques très subtils pour stocker de l'information de manière fidèle. This isn't exactly biology, it's more like chemistry. In any case, the work being done here shows the strong connections that exist between these two disciplines
and may one day enable us to better understand the mechanisms that make life possible.